Information d'affaires quoi que qui finit par tard en route à personne dans la coupe de plus à grand plus passé 70 machines dans pour ta venir en bas dans le pays d'Haïti dans l'idée pour finalement, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'après contrôle la palais national. Mais information ça encore une fois t'a expliqué, c'est même Guy Philippe ça qui vient en tête li avec yon l'autre gros coulé ou l'autre personnalité pour capable d'installer comme nouveau président dans le palais national. Je vais venir avec quelques évidences, je vais venir avec quelques détails pour vous. Messieurs, dames, la société va être compliquée dans la pénitentiaire nationale. Vous avez une image de comment vous avez dévoré dans la pénitentiaire. Vous allez donner que monsieur Colombien au cap comptable et vous allez donner tout et garder comment la situation est compliquée dans la pénitentiaire nationale. On va même voir plus de détails. On va regarder puis moi-même, je vais venir tout de suite. Qui concerne les gros pour ça qui fait bio. Puis les prisonniers pour les gros pour nous. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui fait ça qui fait là. Et retenez-nous les barrières, c'est de nous craser. Tout le monde a des balles à tirer à gauche à droite. On a pile nous mourir. Tout à l'heure, tout le monde est mort. Mais on compte que les gens qui ont 6 000 morts sacrifiés. Ça simplement. Puis il faut mourir dehors. Toute la prison pénitentiaire va être crasée. Mais là, les pénitentiaires, c'est la prison, ça n'a pas de caser même non. Ils n'ont pas de caser même non. Depuis le monde qui est tiré, depuis le monde qui est mort. Ou pas, les cas qui sont en prison, ils ont accordé. Les chefs qui viennent travailler, pas de tout à l'heure, ils ont accordé des valets qui sont en prison. Valets qui sont en prison. Moi-même. Parce que même là, je connais la rue des pénitentiaires. Je vais sortir. Parce que je connais, je vais me juger, je vais me dans le dépôt. Ça me fait, je vais me faire nous-mêmes. Je vais me faire nous-mêmes. Si je vais aller me voler. Vous l'avez depuis combien de temps? Oh, je vais 5 ans en prison. Si je vais aller me voler? Si je vais aller me voler, je vais me vendre là-dedans pour 1000 dollars. Les dames, je connais deux hommes. Je vais me faire un peu de poupillage parce que ça va me faire un peu de bon. Le bon New York, d'amener la vie de Saint-Jean. Comment on le colombiano, el cual no me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente, vine a este país a trabajar. A buscar un mejor futuro para mi familia, por el cual fui engañado por una empresa americana que se llama CTU, que me engañó y me tiene en esta situación. No me volé porque no debo nada, estoy viviendo un karma, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo
y lo que me ha tocado vivir. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara porque soy inocente. Soy inocente ante el mundo. A nadie le debo nada. Muchas gracias. L'autre point capable de dominer l'actualité, notre lit sorti après-midi, dimanche, l'autre Digicel, informé client, tout service lié restauré à 100%. Après compagnie à Tessimi, on coupé sous infrastructure fibre optique internationale là, dans la zone Douya à Kazo, dans la soirée TMAS 2024 là, mais fibre optique si là a été rivé endommagé en bas coup de balle. Sa catévine affecté plusieurs services de coup internet, SMS, mon cash à appel international. Pendant l'expliquer, messieurs, la société, t'as des miens, oui. Pendant que l'expliquer, l'excuser devant la population, la compagnie Digicel Haïti, profiter de sa lié courage, équipe technique Lyon qui t'a fait toute diligence, restaurer sa vision malgré tout problème d'accès qui gagne dans la zone-ci là. En pile, le monde qui t'a peuplé pour question internet en bas de la Coupe de Prince, et mes frères et sœurs, amis, mes bagages là. La société, après mouvement, ça a fait de lancer. En pile, les gars t'a posé cette question qui s'est passé. Et qui groupe de monde qui est capable de camper dans deux programmes, ça, ou bien dans sa crivé, il s'est soudainement tout petit monsieur avec des gros âmes dans le monde. Il a décidé et il a pris le contrôle à plusieurs zones. Même si on connaît déjà, il a écrasé plusieurs commissariats. Quand on a pris la prison, mais monsieur, il a finalement, donc en pile, monde a posé la question qui est-ce qui est dans la tête comme boss politique. Il a fait quoi? C'est à Guy Philippe qui t'a accompagné, si monsieur Sayo. Donc, qui t'a permis que vous fassiez ça, une façon pour que lui-même soit capable de faire révolution ça. Pas oublier révolution, monsieur t'a posé en façon que probablement personne ne pas connaît qui s'est passé. Et bien, c'est dans une interview que la porte-parole Réveil National a été baillé. Le commencement de semaine, qu'on a été expliqué tout de suite après, toute rébellion pour aller prendre le contrôle de la terre. Il y a des gens qui t'a montré que le rébelle a un rapport avec Guy Philippe. Qui sa information est chaudière là? Information tombe tant qu'on masque tout d'autre. T'as passé, il dit que ancien sénateur Guy Philippe là, Guy Philippe a décidé pour le débarquer dans la Coupe Autopresse. Et jusqu'à moment même, n'a pas quand même là, nous même côté nous là, nous écrit toutes les amis nous gagnent qui dans même espace là, et nous essayons les sénateur Guy Philippe jusqu'à moment n'a pas avec quoi, on sait pas on dit, et justement dit que moi pour qu'on réponde qu'on y a, c'est ça qui fait que révolution a fait quand même. C'est déclaration que Guy Philippe a fait, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans un micro nous. Malheureusement, je ne suis pas obligé de partager ça, puisque c'était confidentiel. Mais dans le moment même, on a parlé à là, il y a un monde qui a posé cette question. Est-ce que ancien sénateur Guy Philippe, pas dans route à descendre? Et me dit, information, rivière, je dis, moi, qu'est-ce qui plus se passer? Donc, 70 voitures qui accompagnent l'ancien sénateur Grand Slan qui descendent dans la Coupe de Prince dans l'idée pour contrôler le palais national. Est-ce que la population peut accepter? Est-ce que en réalité, mon Dieu, peut d'accord si on action comme ça d'arriver? Est-ce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, Guy Philippe est capable en réalité d'apporter changement ça qui est en pile mon obtenu pendant un dernier temps? Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le moment même de parler, nous avons pile question qu'a posé côté sénateur Guy Philippe. Nous-mêmes, nous allons chercher information. N'a pas porté pour vous dans le moment cool et nous confirmer toute dernière information. En attendant exactement ça qui a fait en prison de la pénitentiaire nationale, là, c'est confirmé plus fort ancien proche président Jovenel Moïse. Qui est en prison, c'est tout ça que tu as travaillé dans le palais, sauf qu'il était pénitentiaire national hier soir, après bandit de fin attaqué espace là. Mais ce n'est Colombien, pas décidé de sauver, selon ça, il a fait connaître. Puisque, mesdames, mademoiselles et messieurs, en pile, il m'a demandé est-ce que la société gagnait en possibilité de pour Colombien te sauver. Tenez bien, mes frères et amis, côté Badio lui-même, Badio Tendor,
pas de monde qui est capable de dire que Badio est, pas de monde qui est capable d'information, mais celle ça que nous connaissons, donc la majorité de gros courriers, gros entourtons qui t'a accusé dans cet assassinat, mesdames, mademoiselles et messieurs, sous ancien président Jovenel Moïse, là, à savoir de la guerre civile, de gagner un paquet de nègres, un pile net Dimitri Erard, monsieur même, il a dit que tout ça a débarqué en tant que village de Dieu, c'est la lien lui-même, donc la prend refuge. Entre temps, il a demandé à la famille ou bien à tout le monde, donc pour capable de bannir un moyen, mesdames, mademoiselles et messieurs, justement pour capable libérer. Est-ce que vous avez possibilité pour nègres, il y a réinséré dans la société, hein? Est-ce que vous avez possibilité pour nègres, il retourner comme monde dans la normalité? Je fais le problème, parce que là, il est sauvé. Il y a pile de monde qui déjà a expliqué. Est-ce que vous avez une possibilité, mesdames, mademoiselles et messieurs, donc pour nègres capables de mettre tête ensemble? Il y a plusieurs informations que vous devez partager avec vous-même. Le gouvernement Ariel Henry lui écrit dans notre métier d'ailleurs que vous saluez le courage policier qui était tenté de repousser tout gang criminel qui était attaqué pénitencier national et puis en prison à Kwadebunkea dans le 2 à 3 mars 2024. C'est dans un communiqué publié sur le site ministère communication. Le gouvernement a remercié la population parce qu'il a gardé calme malgré un moment très difficile et demandé pour qu'il était très prudent et continuer à soutenir la police. C'est l'autorité. Yo a mette tout ça au gagné en œuvre pour permettre que yo a traqué tout prisonnier qui prend la fuite et puis arrêter responsable moun qui fait zaxi là en tout cas et dans l'arrêter Iso dans aller arrêter l'autre monsieur qui notamment en fait partie du monde qui mettait Haïti dans sa pile là ou bien qui mettait là en tout cas mon volo. Après attaque avec tes fêtes là, mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut qu'on connaisse en de prison, tu as gagné 4000 soldats, ou bien 4000 détenus, on dit ça, prisonniers. Et bien, dans le moment où on a parlé là, après enquête ou bien démarche au fin fait, pour qu'on ait qui quantité qui en dedans, il y a seulement 99 pour les prisonniers qui choisissent d'être en prison. Et bien, selon le responsable qui est sous place, en pile, il y a des malades, il n'y a pas capable d'aller. C'est le réseau de sa priorité. Plusieurs cadavres, tout. Il y a remarqué plusieurs cadavres en dedans. Ce n'est pas des mouns qui mourent hier soir. Ce n'est pas des mouns qui ont en pile problème, incluant anciens soldats colombiens ou même qui ont été en dedans. Donc, il y a des mouns qui t'ont demandé d'informations. Est-ce que Arab a mouru? Juste avant qu'on parle avec vous là, Arab a envie, monsieur mon mère. Maman petite Marie Vote. Aïssé Femsom, jeudi, c'est exactement 2 mars 2024. Nous comptons pour une deuxième sortie et sous plateforme là parce que nous avons plus d'informations que nous pouvons partager ensemble avec aujourd'hui là même. Situation complètement dégénérée dans le pays d'Haïti. Et aéroport international Toussaint Louverture là, il toujours pas fonctionné. Et les États-Unis d'Amérique, département d'État américain, justement, département de sécurité et États-Unis d'Amérique, ils ont dit que tout Américain qui est dans le pays d'Haïti, pour que yo mette tête à l'abri. Ça veut dire que l'ambassade américaine n'a pas fonctionné dans le pays d'Haïti. D'accord? Airport pas fonctionné. Ça veut dire que pas de personne qui a quitté le pays, pas de personne qui a rentré dans le pays. Haïti a connu un moment, encore une fois, qui pi mal dans l'histoire. Ça qui fait arriver là. Ariel Henry retenant mi temps de monde que l'estime que cap supporte li dans pays Guyane française, li font déclaration. Li dit que la kembe pouvoir jusqu'à année 2026. Ariel Campbell fait déclaration ça dans pays Guyane française devant des monde que l'estime cap supporte li. Haïtien qui dans pays d'Haïti qui constate qui quantité monde cap mourir devant yo même cap vivre en Haïti. Qui est dans quel niveau? Il y a une insécurité généralisée. Il privé de liberté. Kidnapping, assassinat, vol, viol. Il n'y a pas qu'à fonctionner dans le pays. Ariel décide pour le faire 24 mois encore. Alors, c'est lui qui dit oui. Parce que même Jean l'a dit, en 2022, il a quitté le pouvoir en 2024. Mais il décide lui-même en 2024, il ne peut pas remettre le pouvoir. Il dit la remettre lui en 2026. Ariel connaît que naturellement, sa captain ni. Parce qu'il connaît, il se tue le président pour le prendre pouvoir, et il décide pour le quitter pouvoir. Ça que fait Ariel, il a une capacité, ou du moins, dit, alors fait déclaration avec autant de facilité devant l'autorité de pays alors, et Carrie comme yo, dans le pays Guyane française. Ça que fait le fait. Ariel Henry, c'est sous Zamnil Campé pour le dire que la quitter pouvoir jusqu'à 2026.
m'pral parler avec policier et m'pral parler avec nèg avec zamyo. Bagé personne m'pral dit gang là, bagé personne m'pral dit bon moun là. M'a parle avec tout nèg avec zam. Ariel Henry, comme un chef de gang, représentant coalition d'assassins qui tue président pays, li campé devant moun qu'il estime qu'a supporté dans pays Guyane, li dit que la promesse pouvoir en 2026, c'est sous zam ni le campé qui cause des deal. C'est parce que le connaît. Li gen chef terroriste fantôme section 9 là qui dans tête la police là qui est le France LB qui campé sous zam ni qu'a assassiné moun. La preuve 7 février 2024. Avant hier là, dans la boule 10, nèg yo assassiné 7 agents BSAP. Gen équipe de confine mouri. Yo vient dans commissariat de Pétionville. Yo prend couteau, yo fout yo coup de couteau dans tête, yo fin tué yo dans commissariat Pétionville là. Yo prend cadavre yo, y a le boué yo dans force commune dans cimetière Route Frère Lampure vite l'homme là. Famille yo gen information, li crée un moyen pour y récupérer cadavre yo. Nèg yo voye n'importe 2 blindés. Al repousse moun yo pour yo pas récupérer cadavre yo. De manière stratégique, avocat mette vel fanfan récupérer quelques graines dans cadavre yo, mais l'autre yo yo still en batte. Nos force commune dans cimetière qui route frère là. Ça veut dire qui ça? C'est après toute qualité crime que Ariel Henry fait en dans pays a pendant 31 mois après 32 mois, il va pas jamais gagner une réponse proportionnelle par rapport avec crime yo qui cause ouais chef de gang dans campé pour le jour comme ça que l'a kembe pouvoir jusqu'à 2026. C'est parce qu'elle connaît l'ap tout le monde, pas gen personne qui a posé la question. La justice li en bas plamel. Li tue président le prend pouvoir, la justice li en bas plamel. Ça veut dire que pas gen personne qui a posé la question. Ariel au-dessus de la loi. Ariel qui doit dévier de mort sous chaque grand monde qui vit dans le pays. Parce que juge li en dans chambre la kaili. La justice li en bas bral. Li fait ça qu'elle voulait, j'en voulais, l'el pipito. Qui est l'âge Ariel? Ariel qui 75 l'année. La vie, pas garanti Ariel 10 ans encore. Ça veut dire que Ariel pas qu'à vivre 85 ans. Vous comprenez? Ariel pas qu'à vivre 85 ans. Ariel qui te connaît que tant rete pour le vivre là. S'il ka kembe nou non violence extrême pour le kembe pouvoir, l'ap kembel. S'il te ka mourir pouvoir, l'ap fel. El gen intérêt fel tout. Parce que dans l'âge Ariel, li pa facile. Pour se nan l'âge sa, li vin gen qualité pouvoir que le gen. Et c'est assassiné ou assassiné yon chef d'état pour le gen pouvoir. Avec autant de facilité, il pa ka remettre au pouvoir. D'ailleurs, nous compte comment t'entrer. C'est avec zam, touye, krasé, brisé, en non ka un président, yon prend pouvoir. Alors ou même ou pral dim konsa ke, ou pral mande Ariel dialogue, ou pral mande chita parler pour prendre pouvoir. Sou ki base. L'a tué nous toutes. Ariel campé sous zamni, li dit l'a prendre pouvoir jusqu'à 2026. Et nous voyons que poligang ni yo campé dans Port-au-Prince, chaque côté qui a 10 moun qui réuni, yo poussé gaz lacrymogène, yo pété yeux journalistes, yo tué moun, yo fait toute qualité zak malhonnête. N'importe moun qui pose aux questions, soit yo physio ou yo prend mettre en prison. Ça, c'est pas n'importe dictature non. Sous pouvoir gang cap exterminer moun, cap exécuter moun. Et tout système judiciaire li en bas plamel. Ake personne cap dit rien. Dans ce sens, après déclaration Ariel Lan, nous seul levé campé, bon côté, nèg avec Zamyo, fait dans le pays d'Haïti. Bon, dis nous bien. N'a pas eu de gang terroriste criminel. Ariel son terroriste, son gang, même j'avec l'amour sans jour. N'a pas eu de gang terroriste criminel. France LB sont terroristes, criminels, gang, même j'avais vite l'homme innocent. D'ailleurs, ses amis, ses cavaliers Polka, ils étaient dans le groupe Phantom Section 9 ensemble. Les clairs, son véritable absolu. N'a pas eu de gang criminel, assassin et terroriste. André Michel, sont terroristes au même titre que ISO 5 secondes Village des Dieux. C'est nous qui avons parlé. Parce que vérité, nous ne pouvons pas cacher. Li. N'a pas dit exactement Jean Kelier. N'a pas eu de gang terroriste criminel assassin qui a terrorisé la population haïtienne. Qui fait que la diaspora haïtienne n'a pas qu'à rentrer dans le pays. Nenel Kassi sont terroristes criminels assassins au même titre que Tila Pli dans Grand Ravine, Boudba dans Mariani. La preuve, c'est Nenel Kassi qui fait Boudba arriver Mariani. Si nous ne pouvons pas comme ça, dis-nous. N'a pas eu de terroristes criminels assassins. Messieurs, ça qui au pouvoir, vous faites plus gros crime. Vous assassinez un chef d'État pour prendre le pouvoir. Maintenant, un peu de monde a posé question. Sous sortie,
nèg a sa pat avec zam yo fait dans dernier jour. Barbecue utilise non population haïtienne non pour dire la fond mouvement. Les dix mouvements qu'il a fait c'est pour pays ya. Tout le monde t'a des barbecue. Moi t'a des déclarations barbecue en pile. Il dit ça c'est pour peuple là pour tout bon. Il dit la fait et le pape camper. Premier bagage que m'a demandé Jimmy Cherizier barbecue. On ne m'a pas la voix. On est à ton gang. Ariel est à ton gang. France LB, c'est exécutant. Polygang, c'est joueur France LB. Vite l'homme, t'es dans l'équipe France LB. Phantom 69, c'est des terroristes criminels assassins, kidnappeurs. Jimmy Cherizier barbecue. Ou sanctionné par Nations Unies, déjà. Le monde entier connu comme criminel, parce qu'il met tout sous papier. Si dans le pays, vous mettez un green criminel sur papier, vous mettez où? Comme vous venez mettre Renold Dib, vous venez mettre Nenel Kassi, vous venez mettre un paquet de l'autre, Calboa, ou un paquet de l'autre oligarque, ou pas seul sous liste assassin criminel. Yo. Ou sous papier, mais attendez bien. Ou si haïtien. Bon, je vous dis, ou faire une sortie avec gros âmes dans main. Nous exposition toute qualité d'âmes. Côté où, vous mettez tout sous écran. Allez, pourquoi parler? Pourquoi parler la parole, barbecue? Ou prenez les âmes avec un paquet de jeunes garçons derrière vous. Nous avons nous des gens qui bien équipés. Haïti en voie de disparition. Haïti prend en otage par des kidnappeurs. Peuple a séquestré. Et vous prenez l'État pays en otage. Pas de personne qui a parlé. C'est Zam qui prend l'État en otage là. Barbecue ou gen Zam nan mou, ou même avec troupe partout, nous prenons partie dans le pays en otage. Maintenant, dans deux groupes ça yo. En pile, premier groupe là, qui c'est groupe oligarque corrompu, qui au pouvoir, il était toujours qu'on utilisait groupe panouan, Katéa, pour faire nous rendre pays invivable. Mais maintenant, si que nous finissons par rendre nous compte que, monsieur, vous utilisez nous, pour faire nous détruire notre pays, nous détruire peut-être nous, si nous sentons que nous avons envie de réintégrer la société haïtienne, non, peuple haïtien pas jamais dit le trop tard. Peuple pas jamais dit le trop tard. Moi-même, pas de doigt pour me dire le trop tard tout. Parce que m'a parlé dans nos populations, m'a parlé dans nos diaspora haïtiennes qui font une confiance. Sauf que nous sommes capables d'analyser et puis nous même pour nous permettre le peuple à comprendre mieux. Ça qui passe en bas, c'est deux groupes armés. Si nous permettons, nous capables de dire deux groupes terroristes, deux groupes criminels qui font mal dans le même niveau, qui font payer mal dans le même niveau. Ariel sont criminels dans la dernière dimension. France LB sont chefs terroristes. Parce que t'es dans tête Phantom 69 et ambassade américaine te sorti un document que te qualifié Phantom 69 là comme un groupe terroriste qui a terrorisé le pays, terrorisé la population. Défaite France LB sont terroristes. Sous France LB seulement. Sous France LB seulement. Gon quantité policiers qui étaient assassinés. Des vrais policiers qui mourent sous champ de bataille. L'autre yo pas jamais pris conscience pour yo. Analyser ça qui est là comme situation. Il n'y a pas dit rien. En pile monde parle ensemble avec vous. Moi-même, le crime n'a fait. Je dis non. La police, il faut que nous prenions précaution. Il n'est pas acceptable pour que nous quittions France LB pour nous à la boucherie comme ça. La police livre nous en conditions pareilles. Nous avons une famille. L'homme mourit, ou mourit pour deux tous. Si vous avez petit ou quitte petit. Vous avez madame ou quitte madame. Vous quitte papa ou maman en souffrance. C'est la famille qui perd vous. C'est vous qui perdez la vie. Mais France LB, les gens blindés, les gens pile nègres avec gros âmes d'édol, les pas jamais sur champ de bataille. Ça veut dire que les pas jamais victime. Après la police, la montée Washington, les pas vivre, même avec tout l'autre chef policier qui finit riche qu'elle vive aux États-Unis. Nous même comme policiers, on va mourir, on va être couché, madame, après ça, on va coucher l'inspection générale pour un chèque qui a environ 23-24 000 goudes. Il a balé pendant 2-3 mois et il a couché le BDL. Il a pris madame. Je parle avec les policiers qui vivent. Parce que nous devons comprendre la réalité qui est là. Je prends le dit de bagay là. Après, je finis de dire, quel que soit le prix à payer, je m'assume. Quel que soit le sac qui arrive, je m'assume parce que, après ça, moi qui passe dans le pays d'Haïti, moi comme leader d'opinion, moi comme un citoyen responsable, moi comme haïtien qui en pile haïtien, tendez, moi je dois avoir une position. Et la plateforme YouTube InfoBeto a une position. La grande famille, il faut bien position. Parce que nous sommes responsables.
nous pas cap tolérer ça pour la continuer comme ça. Moun pas vivre comme ça. Nous pas cap tolérer des nèg à prison population dans conditions pareilles. Non. Fok kat la rebat. Barbecue ou dit peuple là, on fait une bataille pour libération pays d'Haïti. En pile moun dit révolution nèg avec zam. Révolution gang yo. En pile moun dit que si gang yo ta va faire ça exactement j'ai dit à faire là population gon jan que ou pral wè pen yo. Gon l'autre façon que ou pral wè yo. Mais entre-temps, moi ce commissariat nous gagne comme cible nous. Moi c'est tout bagarre nous comme cible nous. Pourquoi porter critique dans ça? Qui t'aime dit nous toujours. Premier bagarre que m'a demandé Jimmy Chérise barbecue qui dit tout ça a dit yo dans nos peuple là. M'a demandé ou si que nous gon bagarre que n'a fait, c'est pour payer n'a fait et que l'autre nèg kavoyo ou du moins l'autre nèg qui regroupé ensemble avoyo, yo, yo dit que y a font vraie bataille pour libérer pays hein. N'a demandé dans l'immédiat. Moun que Lixon dans la Tibonite kidnappé yo, fait moi li libérer yo jodi a même qui c'est 2 mars 2024 là. Dans l'immédiat, nèg la Croix-Péris qui nan go naïve l'autre bord kidnappé, m'a demandé pour demander libération moun sa yo dans l'immédiat. Et pour si yo filmer eux même les a libérer yo. Sans cob. Moun que la mort sans jour, 400 maozo kidnappé, mandé libérer yo dans l'immédiat. Et pour tout pays a ouais, tout gang yo net moun ke yo gen nanmen yo, yo libere yo dans l'immédiat. Et pour nèg yo di yo campé sous dossier kidnapping nan dans pays ya. Ah oui, c'est là ma pwè, bon volonté réelle, bon volonté absolue pour que naturellement nous stopper que son zak malhonnête que nous a fait moun pè nan pays ya pour peuple la connaît que justement yo pa kidnappé, yo pa violel et que c'est bataille ou bataille avec l'autre groupe terroriste qui prend pays ya en otage là. Là maintenant, peuple la pral commencer ouais nous, yo l'autre façon. On avance. Parle avec Izo, village de Dieu, ou Abdil pour que li libérer tout le monde que le gars l'amène. Gen un docteur, soit docteur pape comme ça, yo fait connait que qui gon petit garçon. Li ba n'importe 4 rançons. Petit a gen n'importe 2 à 3 mois dans main kidnappé. Yo pour que j'aime libérer, y a rançonné papa plus davantage. Donc qui gen l'amène là que libérer dans l'immédiat, si nous connait que nous envie font bataille. Comme si nous prenons conscience pour tout bon. Mais sinon, le peuple a toujours pensé que c'est stratégie, gouvernement, jeu de gouvernement que nous avons joué. C'est le premier ça que nous devons faire.